accepte, mais je vais pas vous aider. Personne à ma table, personne qui m'acclame. De toute façon, j'ai pas besoin de temps pour me faire valider. Je veux personne à table. Vidéo carrière manager avec Chelsea, les gars. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc, dans cet épisode, Hop Mitoma, on lui répond positivement. Notre équipe, elle est en pleine forme déjà, ça c'est bien parce que là, on a un match directement, les gars, face à Manchester City. Ensuite, match face à Bâle à domicile, Crystal Palace. Et puis, on terminera face à Everton avant d'entamer le mois de décembre qui va être interminable. Donc, allez, là, on est bien pour le moment dans cette carrière manager. On est premier égalité avec West Ham. On n'a toujours pas perdu un seul match, les gars. Faut que ça continue. Donc match face à Manchester City, je veux un très très gros match de la part de mon équipe. Ils ont des joueurs fatigués en plus, notamment De Bruyne, Grealish, Haaland, Ruben Dias. Pour moi les 4 meilleurs de City on va dire. Donc y a la place de gagner, nous notre équipe elle est en super forme. Donc let's go pour la première rencontre de cet épisode. Et c'est un très très gros match les gars. Donc let's go, si FIFA veut bien, oui ils veulent bien. Pep Guardiola qui est juste là, Haaland et tout. Oh là là, les gars, le match de folie. Bien joué, Nkunku, bien battu. Nkunku pour Osimhen directement. Osimhen frappe premier poteau. Let's go, les gars. Ça commence très très fort. Déjà 1-0 pour Chelsea dans cette rencontre. Mais oui, Victor Osimhen qui marque ici à l'Etihad Stadium. Là, les gars, on n'entend plus rien dans le stade. Quelques sifflets et tout. Mais quel début catastrophique pour City. 15e but en 11 rencontres pour Victor Osimhen. Il est vraiment trop fort, les gars. C'est le meilleur buteur et j'espère qu'il va pas... C'est quoi ce début de match? Non, les gars, j'aurais pas dû tacler avec Osimhen. Carton rouge pour lui. Non. Du coup, on va jouer le reste de la rencontre à 10. C'est vrai qu'il tacle par derrière et tout, mais de là, mettre un rouge direct. Wow. On est en première ligue, frérot. Purée. Ça va être chaud là les gars, la mission elle va se compliquer. Bon après ça va, c'est le numéro 9. Mais bon. Ah ça fout la rage et derrière la mauvaise relance. Aïe 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 aïe, bien joué ça, magnifique. Ah Kimi, qu'est-ce qu'il fait là? Bien joué gardien. Bien joué Wesley Fofana, sans stress. On est bien en place hein. Ah, là, il y a eu un petit trou. La frappe de De Bruyne, les gars. Tu peux pas faire plus dans la lucarne. Hein. Un partout à l'Etihad Stadium. Non, on sent que City, là, ils vont devenir dangereux. Hein. Ça joue bien, ça attend les bons déplacements, les bons trous. Ça va être très compliqué, les gars. Bien joué, Grimaldo. Eh, il est trop fort. Il est trop fort, ce latéral gauche, les gars. Kvaratskhelia face à face. Kvaratskhelia qui marque. Let's go. 2-1 face à Manchester City, les mecs. Mais oui, on reprend l'avantage à 10 minutes de la mi-temps. Allez, là. Et on va faire les 10 dernières minutes de la mi-temps ensemble, carrément. Parce que là, ça va être un match chaud. L'objectif, que City ne progresse pas sur le terrain, les gars. Donc là, faut qu'ils restent dans leur camp. Ça serait pas mal. Faut qu'ils soient au maximum, le plus loin possible de notre cage. Et du coup, West Ham qui gagne 1-0 aussi également. Purée, les gars, ça veut dire que là, on va encore être égalité avec eux. Hein. Ils veulent pas lâcher la couronne, eux aussi. C'est chaud, Grealish. Ben oui, magnifique. Magnifique. Nkunku. Mais oui. Grimaldo, le meilleur latéral gauche. Ah, je l'ai peut-être mise. Oh, ça aurait pu passer. Dommage. Et mi-temps, du coup, ici à l'Etihad Stadium, on mène 2-1, les gars, alors qu'on a un carton rouge. On peut compter quand même sur nos joueurs, c'est magnifique. Let's go, deuxième mi-temps face à City. Faut réaliser la même première mi-temps, là. On est très, très bien en place pour le moment. C'est parfait. Oh là là, Haaland, bien joué Wesley Fofana. Christopher Nkunku. Pour Rafinha. Ok. Oh, monsieur l'arbitre. Le tac de Rodri, ça va en rouge aussi, non? Oh non, il n'est pas aussi violent que le nôtre de tout à l'heure.
Donc carton jaune, je prends là par contre, mauvaise passe. Bien joué Wiss James qui reprend le ballon. Ah, ça passe pas. Et attention. Attention à cette contre-attaque qui peut être dangereuse. Bien joué Brice Samba. Quel paradis, se détend super bien les gars. Ben oui, c'est mérité, c'est mérité. Manu Koné qui va rentrer à la place de Nkunku en numéro 10. Bon, il peut se projeter vers l'avant. Et on sait qu'il va revenir défendre. Très important dans cette fin de match. Aïe, 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 aïe. Bien joué Grimaldo, les gars. Son niveau, mais c'est trop. Hein. C'est vraiment trop, je m'attendais pas à ça. Le mec, il est vraiment trop trop fort là. Dommage que ça passe pas. 3-0 pour West Ham. Purée, il faut absolument gagner, les gars. Wow, les gars, Rafinha. Non, là, ce qu'il a fait, c'est trop. Le petit pont qui met. Wesh. Il y a faute sur Fernandez, mais il y a faute. Mais les gars, on va se regarder ce petit pont incroyable. Oh là 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 là, il a tué Grealish. Il l'a tué, les gars. Quel petit pont. Non, Rafinha, c'est trop. Hein. C'est trop sa vivacité. Ça me rappelle un peu celle de Neymar sur FIFA, les gars. Ok, bien joué. On va ressortir à fond. Il reste plus que 10 minutes. Qu'on va faire ensemble. Bien joué. Oh là là, la sortie de balle. La sortie de balle, les gars. Oh, dommage, Rafinha. S'il arrive à passer là, le joueur. Derrière, c'est action de but. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a. Oh non, mince. Oh là là, ça passe. Derrière, on fait un peu n'importe quoi, c'est dommage. Oh là là, comment ça joue. Bien joué Manu Koné. Dommage, c'était presque bien donné. Kevin De Bruyne. Oh là là, ça joue que en l'air à côté City. Bien joué les gars, solide. Ah, ça passe pas. Attention, faut pas qu'ils aient la dernière action. Normalement c'est fini monsieur l'arbitre. Hein. Monsieur l'arbitre, mais oui. Quel succès les gars, quelle victoire ici à Manchester City. Magnifique. Je suis content de tous mes joueurs, même Osimhen, même s'il a joué que 3 minutes, un bail comme ça. C'est pas grave. Let's go les gars, magnifique victoire. Du coup on reste premier égalité avec West Ham en première ligue. Donc ça c'est parfait. Tac tac tac, tout ça on supprime. Et on va jouer face à Bâle les mecs. Victoire absolument obligatoire, mais avec une équipe type. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Pas de soucis sur ça. Donc, Kvaratskhelia, on va faire jouer Mitoma, Moise Kean, Madouike. On va faire jouer Mudryk ici, en numéro 10. Il est où? Juste là. Hop, avec Hugo Choukyou, Manu Koné, Badiachile et Chaloba. Tiens, on va faire une défense comme ça. Et puis, ouais, voilà, comme ça. Let's go face au FC Bâle à domicile, les mecs, on retrouve nos supporters. Allez. Wouah, la vue. Les gars, j'ai l'impression des fois, ils rajoutent des cinématiques petit à petit dans le jeu. Ça, je l'avais jamais vu, alors que la carrière avec Chelsea, ça date qu'on l'a fait. Purée. Incroyable la vue qu'il y avait. Bien joué, Moise Kean. Moise Kean, Madouike, la frappe arrêtée par le gardien, purée. Bien joué Mudryk. Au bon moment. Ah, monsieur l'arbitre. Il me pousse derrière. Bien joué Mitoma. Très bien joué. Le centre, par contre, il est mal joué, c'est dommage. Madouike, Mudryk, la frappe, elle est trop molle. Allez, corner gagné. À 10 minutes de la mi-temps, ce serait bien d'en mettre un. Moise Kean de la tête, non, Mudryk. Oui, pour Manu Koné. La frappe, oui. Quelle frappe lourde, les gars. 1-0, but de Manu Koné. Superbe frappe. Petit filet opposé, là, à mi-hauteur. Parfaite, les gars. 1-0 face au FC Bâle. Let's go, le Stamford Bridge qui vibre. Allez, on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. Et pourquoi pas essayer d'en mettre un deuxième avant la mi-temps. Bien joué Mitoma qui empêche la sortie de balle, mais derrière on joue mal le coup. Ok Madouke. Ah purée. Attention.
Oh là, c'est seul dans l'axe là, il y a plus de milieu de terrain ou quoi côté Chelsea? Ok, c'est bon, on est en place. Hugo Shoukou. Non, il l'a pas. Ok, mi-temps. Let's go. On mène 1-0. Tout se passe comme prévu. On continue, deuxième mi-temps. Allez, on n'a pas le droit de se prendre un but, hein. Bien joué, Brice Samba. Les gars, on veut le clean sheet pour Brice. Il est exceptionnel. Donc, allez. Nous aussi, on se doit d'être exceptionnel pour lui. Hop, 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 Madouké. Mais oui, c'est parfait, Moïskine. Moïskine, peut-être pour la contre-attaque. Mitoma. Mitoma encore, Mitoma. Oh, c'est mal joué de ma part. Bien joué, ça. Parfait. Bien joué, la passe aussi au bon moment, juste avant qu'il sorte hors jeu, juste avant qu'il perde la balle, Moiskin, pour le 2-0, les gars. 86e minute de jeu, on enfonce le clou. C'est parfait, les mecs. Parfait, parfait, parfait. 2 à 0 à Stamford Bridge. Pour le moment, on a le clean sheet. Il reste 3 minutes, faut tenir. C'est un bon match là de la part de notre équipe bis. Les gars, je pense qu'avec Chelsea, j'ai trouvé la manière de jouer. J'ai tout trouvé. L'équipe, les joueurs, tout, 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 tout. Et depuis le début de cette deuxième saison, on est tout simplement exceptionnel, les mecs. C'est trop. Donc, allez. On continue, on est en très bonne position pour se qualifier en pour la suite de la compétition. En plus de ça, Victoria Gévis, ils ont fait 2-0. Donc, on passe premier de la poule. Tac, je rappelle en sélection, Wisdom, Brice Samba, c'est mérité, Mudryk, Fernandez et Moiskin. Ok, tac, tac, après on aurait plus, il y aurait toutes les sélections, comme Kvaratskhelia, Osimhen, Rafinha aussi. Mais bon, pas grave. Du coup, on va jouer face à Crystal Palace, toujours premier égalité avec West Ham, les gars, c'est trop, hein, c'est vraiment trop là. Donc, faut gagner, on est à domicile, équipe type, directement, juste Victor Osimhen qui est suspendu pour ce match. On va faire jouer. Ouais, on va faire jouer Fofana, tiens. Allez, let's go les gars, match face à Crystal Palace. Nos joueurs là, ils sont déter en plus. Non, allez, allez, allez. Nkunku, on a besoin de temps. Hein. Osimhen, il est pas là. Certes, il y a Fofana, mais on a aussi besoin d'un grand Nkunku. C'est parti, les mecs. Let's go. Allez, Fofana. C'est son premier match, je crois, cette saison avec nous. Rafinha, mais oui, pour Nkunku. Ah, je m'attendais à une meilleure passe que ça. Dommage. Caicedo, ouais, non. Nkunku. Fofana. Fofana, Nkunku, Nkunku, la frappe s'est contrée. C'est repris vite. Frappe de Fernandez, mais arrêtée par le gardien. Ok. Pour le moment, on est bien. Kvaratskhelia pour le corner vers Wyss James. Bien joué ça. Fernandez. La frappe de loin, elle était belle, hein. Elle partait bien, mais le gardien, il est attentif. Belle parade. Oh là là, mais quel joueur, dommage. Bah oui, bah oui, tout est magnifique. Tout est magnifique! J'avais dit qu'on avait besoin d'un grand Nkunku, les gars. Et c'est ce qui fait, il répond présent. 1-0, but de sa part. Au départ de l'action, Rafinha, il fait un truc magnifique. Caicedo, une touche vers Nkunku. Nkunku, il se l'emmène bien, il finit bien. C'est son deuxième but seulement. Mais les gars, on sait très bien qu'au niveau des passes D, je crois qu'il est meilleur passeur décisif de la première ligue. Et puis dans le jeu, les gars, il est trop fort. Il est trop fort, il nous apporte vraiment beaucoup de choses. Donc ça fait très très plaisir là, ce petit but pour lui. 1 à 0 face à Crystal Palace. Fofana, la mauvaise prise de balle. Et derrière, il aura un carton jaune, je pense. Parce que sur le tackle, il est largement en retard. Bien joué, Wyss James. Wyss James et Rafinha, les gars, qu'est-ce que ça joue bien côté droit. Offensivement, défensivement, tout. Hein. Allez, Caicedo. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars, on sait que tu peux nous faire un truc. Bien joué, Rafinha. Deuxième poteau. Il aurait peut-être dû centrer pied gauche. Hein. Je sais pas pourquoi il a centré pied droit. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, mi-temps.
On mène du coup un but à zéro. C'est parti les gars, deuxième mi-temps. Bien joué Rafinha. Avec Ous James. Le meilleur jeu côté droit de la saison pour le moment. Bien joué Rafinha, ça passe. Kvaratskhelia au deuxième, Kvaratskhelia à la tête, Kvaratskhelia encore, non! C'est quoi cette parade de fou du gardien? Oh dommage, le centre il était compliqué à reprendre quand même pour Kvaratskhelia. Mais il a réussi, il a failli marquer à deux reprises en plus, dommage! Oh non les gars, attention Richarlison. Mais oui, Wesley Fofana t'es trop fort mon gars. Vraiment trop. Caicedo aussi. Oh dommage, c'était le bon angle. Nkunku pour Rafinha. Rafinha prise de balle parfaite. Rafinha crochet parfait aussi. Passe parfaite également. La frappe aussi, elle était belle, mais bon. Repoussée par le gardien, Kvaratskhelia. Pour Nkunku. Nkunku, Kvaratskhelia, le centre. Allez, d'ici, pourquoi pas. Ouh, ça passe pas très 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 loin. Dommage. Allez, on va continuer ensemble les 10 dernières minutes. Richarlison, il l'a pas. Rudiger, t'es plus fort. Ben oui, largement. Caicedo pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, appui droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche encore. Élimination. La passe pour Christopher Nkunku, mais la frappe pied gauche complètement dévissée. Dommage. Après, c'était compliqué hein, en reprise comme ça. Quoi? El Shaarawy joue à Crystal Palace. Oh, ils ont fait un bon recrutement. Après, faut voir comment ils se débrouillent en Angleterre. Mais c'est pas mal. Non, non, je le sentais, les gars. Est-ce qu'il marque Michael Eze? Non, 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 non. Un partout. Non, je suis dégoûté là. En plus, on les dominait quand même. Christopher Nkunku. Mais purée, Fofana là. Regarde la balle quand. Oh. Les gars, là, on laisse passer 3 points. Hein, et on les avait en main, ils se sont envolés d'un coup. J'espère que West Ham, ils ont pas gagné. Mais si, on voit la victoire 2 buts à 0 face à Leeds. Donc, les gars, malheureusement, maintenant, on a 2 points de retard sur West Ham. On est plus égalité avec eux. Ça fout trop la rage. Purée, 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 purée. Ouais, t'inquiète, Mitoma. Moi aussi, je suis content de toi. Prochain match face à Everton, ils sont 16e, les gars, normalement. Ça devrait le faire. Mais bon, là aussi, face à Crystal Palace, ça aurait dû le faire. Ça l'a fait pendant 87 minutes. Et puis à la fin, on a craqué. Purée, 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 purée. Match face à Everton. Il joue face à qui, West Ham? West Ham, West Ham, West Ham, West Ham. Il n'y a pas West Ham. Ah, c'est face à Liverpool. Oh là là. J'espère que Liverpool, ils vont gagner, les gars. J'espère de tout mon cœur. Donc là, on joue face à Everton. Il y a Gallagher là-bas. Ouais, après, c'est pas une équipe vraiment dangereuse pour moi. Let's go face à Everton. Dernier match de cette vidéo. Il nous faut les 3 points, les gars. Gallagher, bah, il joue contre son ancien club. 24 ans. C'est un bon milieu de terrain en plus, mais bon, on en avait plus besoin. Donc on l'a laissé partir. C'est parti, les gars. Match face à Everton. Il faut les 3 points absolument là. Gallagher, bah oui, contrer, contrer mon gars. Oh, Nkunku magnifique. La prise de balle parfaite de sa part. Enzo Fernandez, ça passera pas. Si là, le crochet, il passe derrière, je la glisse à Osimhen, c'est but. Hein. Mais bon. Bien joué Osimhen. Pour Rafinha. Rafinha. Pourquoi il tire pas pied gauche, les gars? T'as l'air, il sent le pied droit, là, il tire pied droit. Oh! En plus, c'est pas comme s'il était sur son pied droit. Non, il est sur son pied gauche. Il se complique la vie. À faire un. À faire tout pied droit, là. Oh. Mais plat du pied, pied gauche, petit filet, ça rentre. Hein. Bien joué. Bien joué, ça aussi. Rafinha, l'enroulé. Oh non, 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 non. N'est-ce pas le but de la saison côté Chelsea, là? Waouh, les gars, Rafinha. Waouh, 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 l'enroulé. Incroyable les mecs, incroyable enroulé de la part de Rafinha là. En plus les éliminations,
Fin de frappe à droite, à gauche, accélération et rentre dans l'axe. Boum, non. 1-0 face à Everton, les gars, c'est magnifique. Rafinha, vraiment trop, trop, trop fort. Toi aussi, tu peux nous faire vibrer, on le sait. Grande qualité technique également, ça passera pas. Wesh! Comment il m'a éliminé? Elle y est pas? Mais les gars, elle était dans ma cage là, la balle. Y a pas but. Les gars, y a un bug ou quoi? Attendez, attendez, attendez. Je vais voir le ralenti là, parce que... Déjà, là, il m'a tué. Hein. Le gauche, droite. Aïe, 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 aïe. Et là? Ah non, ok, ouais. C'est parce que le filet, il est revenu en arrière, ok. Heureusement pour nous, hein. Quelle action de Beto. Attaquant très, très dangereux. On l'a vu sur une seule action, mais waouh. Le coup de chaud qu'il nous a mis. Kvaratskhelia. Bah oui. Pour Victor Osimhen. Oui. Nkunku. Oui. Boum. Oh, dommage, Fernandez. Fallait suivre. C'était bien joué Rafinha encore une fois. Quand il rentre dans l'axe et il enroule, les gars, il est très, très dangereux. Oh. Bien joué. Bien joué. Bien joué, ça aussi. Ah non, je crois que c'était mon joueur. Bah, c'est mon ancien joueur, pour le coup. Gallagher. Bien joué, Victor Osimhen. Fernandez. Ça passe pour Fernandez. Rafinha. Rafinha qui se retourne bien. Oh là là, l'action. Oh là là, mais l'action, elle est parfaite, les gars. Tiki-taka dans la surface de Everton pendant 3 minutes, vu qu'on est à la 50e minute. Et frappe magnifique de Fernandez, but. Incroyable à l'action. Rafinha, passeur décisif, du coup, il la prend pleine. Elle arrive, bam, plein fouet, 2-0 face à Everton à la mi-temps. Ça, c'est parfait, les gars. Allez, on enchaîne. Bien joué, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, la frappe, elle était magnifique. Belle parade du gardien d'Everton. J'ai envie de tester une reprise, les gars. Dommage. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia encore. Kvaratskhelia, toujours la frappe de loin. Bien arrêté par le gardien, encore une fois. Le gardien, on dirait qu'il a pas envie que Kvaratskhelia marque. Le corner de Kvaratskhelia justement. Fernandez. Oh là. Oh là là, il y a eu trop de rebonds là sur la frappe. Oh là là, mais la domination qu'on met là. Oh là là. Oh là 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 là. Les gars, le but de Christopher Nkunku. Mais ce geste là, les gars, je pense que je vous ferai une vidéo, mes gestes préférés dans FC 24 au niveau carrière manager. Je vous les présenterai après. Je sais pas comment vous les expliquer. Mais il y aura, en tout cas, je pense, une vidéo comme ça. Et c'est trop là. C'est trop ce geste-là. Oh là là, comment il élimine le défenseur. Frappe pied gauche. Premier poteau. Lucarne. 3-0. Deuxième but de Nkunku dans cette vidéo. Et du coup, c'est son troisième en première ligue. C'est parfait, les mecs. Non, c'est quoi cette passe D, mon gars? Non, en plus, je crois que c'est Grimaldo. C'est triste. Et là, Nkunku qui rate encore une fois une passe. Ah, on aurait pu avoir un clean sheet encore une fois. Et malheureusement, là, il est gâché pour rien du tout. Victor Osimhen de la tête. Non. Capté par le gardien, c'est dommage. Beto qui marque. Après, ouais, Beto, en vrai, il mérite son petit but quand même. Hein. Il a fait un match super. Malgré qu'on ait dominé Everton. Bien joué, bien joué. Ah, ça passe pas. Et attention à cette contre-attaque derrière, ça peut faire 3-2. Normalement, non, on va bien défendre. Voilà, ça recule. Ok, c'est bon. Tant qu'ils avancent pas trop, moi, ça me va. Ils sont sur le côté, voilà, ça recule encore, ça recule encore, ça recule encore. Ça recule et ça perd le ballon. Rafinha, Rafinha, Rafinha qui cloue le score à 4 buts à 1, les gars.
91e minute de jeu, le pressing il est parfait. Magnifique match encore une fois de notre équipe. Malgré cette petite boulette qui nous coûte un but, mais bon. Allez, en vrai, on va pas chipoter. Victoire écrasante, les Spurs aussi qui gagnent, Arsenal qui gagne, City qui perd face à Brentford. Waouh. Donc les gars, prochain épisode, on jouera face à Victoria pour confirmer notre première place dans cette Conference League qui, normalement, on va dominer cette compétition. Hein. Normalement, on va la remporter facilement. En plus, on joue souvent avec l'équipe bis. Donc, ça devrait le faire. Et au niveau de la première ligue, du coup, on est premier. Oui, Liverpool, ils ont gagné face à West Ham 4 buts à 1. Donc, les gars, on est premier avec un point d'avance devant West Ham. Magnifique. 3 points d'avance sur United qui sont 3e. C'est parfait, les mecs. Yes. Donc, voilà, on termine super bien l'épisode. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. J'ai jeté mon bigot, je veux pas qu'on marcelle, je veux pas être celle, même si j'excelle, donc je ne pars pas là-bas. Ah non, ah non, tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Ah non, non.